tendance en 3 minutes. Thème, la tendance des pulls. Quoi de mieux qu'un joli pull pour affronter la saison hivernale? Qu'on préfère le pull en maille, le pull en cachemire ou encore le pull en laine? Retour sur les tendances pulls pour être sexy et couverte. Chaque année, dès que le froid s'installe et que l'on commence à grelotter, s'il y a bien une chose qui nous console, c'est le fait de pouvoir ressortir notre bon vieux pull d'hiver. Ou bien entendu, le fait d'aller s'en offrir une ribambelle de nouveau. Le pull en cachemire, l'impérial, il est un peu la star des pulls, pour son côté sophistiqué et naturellement élégant. Le pull en cachemire fait définitivement partie des matières nobles. Et si on a envie de s'offrir un pull iconique, signé Éric Bompard, mais que notre compte en banque ne nous le permet pas, on se rabat sur des marques telles que Etam, Uniqlo ou encore Monoprix, qui proposent de très jolis modèles plus abordables. Le retour improbable du pull irlandais. D'où et réconfortant, le pull en grosse maille est passé de la garde-robe des pêcheurs irlandais à celle des modeuses. Et si vous hésitez encore à sauter le pas, voici le top 5 de nos modeuses qui ont su styliser leur look à la perfection. Nous débutons ce classement en force avec la phénoménale Gabrielle Union. La jolie jeune dame porte un sweatshirt vraiment oversize en guise de robe. Elle l'associe à une paire de cuissardes noires et un bonnet. Son look est streetwear monochrome et efficace. La quatrième place du podium est attribuée à la resplendissante Karrueche Tran. Elle opte pour une version près du corps de la tendance du pull. Elle porte un pull noir qu'elle fait rentrer dans un jean noir déchiré au genou. Elle l'associe à une paire de Yeezy Boots blanches et porte un sac à main en cuir noir. Son look chill est accessible et confortable. À la troisième place du classement, Didi Stone Olomide. Dans une version chic et sexy, la belle femme porte un pull crop beige dans un ensemble blazer blanc. Elle l'accompagne d'un sac à main doré et d'une paire de lunettes dorées et des boucles d'oreilles circulaires. Son look est sensationnel. À la seconde place, la chanteuse Teyana Taylor. Elle porte une version super colorée que j'adore. Elle porte un pull à capuche jaune et a mis par-dessus un t-shirt tie and dye Disneyland super coloré. Elle associe à un jogging gris. Toujours, pour plus de colorful, elle porte des chaussettes orange et une paire de Nike multicolores. Son look est décalé et on adore. La première place du podium est attribuée sans aucun doute à la resplendissante Zendaya Coleman. Elle est tout simplement magnifique dans ce look monochrome vert sauge. Elle porte un pantalon vert sauge avec des poches sur le côté qui a un petit effet street. Elle l'associe à un pull côtelé de la même couleur et clou du spectacle, son manteau long de la même couleur pour un rendu phénoménal. Côté accessoires, elle porte une casquette et des escarpins et elle est juste à tomber par terre.